Il est BG quand même, hein. Ça va tous les gars, c'est bienvenue, très content de vous retrouver pour la suite du Let's Play sur YouTubers Live 2. J'espère que vous allez toujours très très bien, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on a plein de choses à voir ensemble, plein de choses à faire. On va se concentrer vraiment sur les missions principales. Et aujourd'hui, il y a du lourd. On va s'attaquer, enfin, on va continuer, du moins, les missions des Code NT. Mais on va s'attaquer à celui de Ziggy. Souvenez-vous, on avait récupéré la mission où il fallait récupérer des histoires. Donc, il faut capturer apparemment des photos de 5 citadins avec des tendances donc intéressantes. Je pense que par là, il veut dire soit violet, soit doré. À mon avis, c'est plus doré que violet. On verra. Il faut également restaurer le système de gestion des tendances. Pour ça, pas trop de choix. Il faut attendre d'avoir une journée avec 2 tendances rouges, tout simplement. J'ai pas d'autre choix, donc on va devoir être patient. Ça peut durer 1 an, 2 ans, ça se trouve. Je vais passer 15 heures de plus sur le jeu, hein, ça va être terrible. On verra bien. Donc, regardez les tendances du jour. On a Blue Harvest, on a quelques jeux. Hein. Blue Harvest, Pokémon, Star Invaders. On a des photos à prendre. Agora, on ira la prendre, Agora en violet. Et on a disparu. Ça, je pense que c'est la plus intéressante et c'est peut-être la première histoire à capturer. Résident de YouTube City. Alors, pour tout vous dire, j'ai fait la première journée rapidement de mon côté, en tout cas le début de la première journée, pour aller trouver Agora. Bon, Agora, elle est toujours au marché au plus, hein, ça change pas. Mais le disparu, je sais où il est, donc comme ça au moins, ça ira plus vite, on ira directement. Je fais un peu de préparation, comme ça au moins les journées sont intéressantes et on est efficace, tout simplement. Ah oui, c'est vrai qu'on est l'hiver, j'ai oublié, samedi 13, donc 8h15. Et après, le soir, bien sûr, on fera, quand on aura capturé tout ça. Donc ça fait 2 photos, la première c'est Agora qui est là, hein, au marché. On va ensuite trouver cette première histoire sur 5. Il y en a 5 à trouver. C'est quoi, c'est un sac poubelle? Je sais pas. Peu importe. Donc la photo, Agora. Hop là, bon. On essaye de bien la capturer tout de même, hein, question de respect. Voilà, je publie. Et donc je pense qu'on va un petit peu moins se concentrer sur les autres histoires, des persos, voilà, qui sont moins intéressants, qui sont pas dans le principal, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a comme info aujourd'hui? Gamescore, disparu. La petite amie du cousin du meilleur ami de mon camarade de classe a dit qu'elle avait vu disparu près du centre-ville. Donc maintenant on sait où c'est. Enfin, moi je sais parce que je suis allé voir juste avant, hein. Mais effectivement, j'ai eu l'indice ici. Via InstaLife, hein. Très important InstaLife, vraiment pour avoir plein d'infos. C'est vachement cool. Noémie, allez-vous bientôt faire un streaming? Oui, ce soir Noémie, t'inquiète pas, ça va venir. Je pense pas qu'on va aller acheter un jeu parce que les 3 qui sont dans les tendances, on les a déjà. Pour le coup, donc y a pas de raison, hein. Excuse-moi, je me suis pas trompé entre le centre-ville et le quartier résidentiel. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Donc le hashtag, la tendance, elle est là, regardez. Enfin, elle était là, à la base. D'accord, ça a changé. Ça y est, je suis dégoûté. J'ai perdu la personne qui devait avoir la tendance. Ça, c'est dommage, par contre, parce qu'elle était là, à la base, mais j'ai mis trop de temps, peut-être, pour venir la capturer. Hein, c'est terrible. Elle est partie où? Alors, on sait qu'elle est en centre-ville, hein. On sait qu'elle est en centre-ville. On va la chercher. Du coup, je suis un peu déçu parce que je l'ai faite juste avant, mais elle a changé de place. Ah, ça, c'est pas cool, hein. C'est pas sympa, hein. Alors, en général, tu la vois rapidement parce qu'elle a un petit hashtag vers elle. Ah là voilà, elle est rentrée. Je t'ai vu ma grande. J'arrive. Oh la coquine quoi. Ah bah attends, elle est rentrée là-dedans, elle est pas là. On est ok qu'elle est rentrée dans le bâtiment avec son foutu hashtag là. Et elle est ressortie. C'est honteux. Mais je l'ai vu, on l'a tous vu. Bon attends, on va continuer de chercher, c'est pas elle. C'est terrible ça quand même. Je vais pas réussir à la choper quoi. Reprends une trotte. Ouais, en plus je sais même plus à quoi elle ressemble. Je vais la trouver. Question de temps, question de d'acharnement. Ouais, parce qu'à la base c'était elle qui avait le hashtag. C'était une vieille dame. Oh, c'est terrible. Toi non. Ah là voilà. Oh, t'as comme c'est galère. Photo. J'ai eu peur qu'elle sorte du cadre. Hein. Allez, ça c'est fait. Et donc, une histoire sur 5. Tu vois, faut tourner un petit peu autour et on finit par réussir à trouver la cible. Bon, Star Invaders, maintenant on peut rentrer à la maison, simplement on peut rentrer à la maison après cette phase de recherche assez laborieuse. Et on va pouvoir faire des streams, des vidéos, etc. Voilà, grosso modo. Alors, autre objectif, hein, maintenant dans cette série, c'est de devenir le YouTuber numéro 1. Évidemment, c'est pas juste de finir avec les codes NT, hein, c'est d'être le meilleur YouTuber. Il me semble que, regardez, en termes d'abonnés, on doit avoir 200 000 de retard, hein, sur... si je vais voir donc dans YouTube. On doit avoir 200 000 de retard sur Aaron. 1,5 million, 1,7 million, ou à peu près. À peu près 200 000 abonnés d'écart. Donc du coup, il faut qu'on comble ça. On a beaucoup plus de vues que lui, hein. Donc c'est vrai que le ratio vues-abonnés... Bah écoutez, je suis un YouTuber de Let's Play en même temps, c'est normal, hein. Allez, on va rentrer. On a donc une tendance Agora violette, une tendance dorée. Donc ça vaut le coup, effectivement, de faire des vidéos, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc normalement,
En théorie, je dois avoir des jeux en tendance, là, hein. Je dois avoir des jeux en tendance, je les avais déjà, les jeux, hein. Je suis quasiment sûr. Star Invaders, voilà, on va se faire ça. Pokémon, je l'ai aussi. Yes, Pokémon, je l'ai aussi. Et j'ai deux fois Pokémon ? D'accord, le truc qui sert absolument à rien. Attends, je vais virer ça. Du coup, j'en avais pas besoin. J'avais d'autres jeux, mais qui sont moins intéressants. Par contre, tu vois, plateforme. Plateforme, c'est en tendance. Dommage, justement, que le jeu Pokémon ou que l'autre qu'on a là sur Star Invaders, dommage que ce ne soit pas des jeux de plateforme. Comme ça, on aurait eu une tendance violette supplémentaire. Ça aurait été plutôt intéressant. Mais enfin, c'est la vie. Hein. C'est la vie, c'est la vie. Allez, on va enregistrer une vidéo du coup sur. Oh, plateforme Super Strike Bros. Tu vois, ça fait deux violets là. Remarque, c'est intéressant ça aussi. Hein. On va se faire une vidéo Super Strike Bros. Allez, pourquoi pas. Première impression, ça j'ai déjà fait. Un petit gameplay pour commencer la journée. Alors, enfin pour continuer la journée, mine de rien, parce que mine de rien, on allait faire des photos avant ça. Ah, oh, j'ai jamais utilisé celle-là, tiens. Et une vie supplémentaire. Alors, ensuite, je vais choisir ça. Vous êtes triste. Oh, ça fera un hashtag dans la vidéo. Ok, là, ça en fait deux. Bon, je prends celui-là. C'est mal parti, hein. On a 8 phases. Ok, là, ça améliore les 3. Cool, ça me fait 3 étoiles quand même, ça va. Donc ça reste d'une qualité plutôt passable, disons. Là, je mets celle-là. Carte de Vegeta. On va essayer d'avoir 4 étoiles au moins. Hein. Bon, l'autre, c'est mort. Hein. L'autre au fond, c'est mort. Mais par contre, là, yeah, c'est bon, je pense. En théorie, je pense que c'est bon, je prends ça. Et ça fait 4 étoiles. C'est pas dégueu. Ça peut aller. Et là, on a quand même disparu. Super Strike Bros, plateforme, Agora. Ouais, c'est intéressant, hein. Franchement, c'est intéressant. Il y a de bonnes tendances. On va faire le petit montage et ensuite en soirée, ce qu'on fera, c'est un stream. Hein. Donc, ce que j'aime bien faire, les amis, dans les vidéos YouTubers Live 2 en général, par contre, il y a beaucoup de rush. Hein. Ah ouais, on a atteint la limite de rush. C'est ce que je pensais. Je vendais celui-là parce qu'il est démonétisé. Donc, hop, on pense bien sûr au pognon. Ce que je fais, c'est que je fais une première journée au complet. Voilà, on fait les vidéos ensemble et tout. Et après, je cut toutes les autres journées quand c'est pas intéressant. Tu vois un petit peu le projet. Ok, 190, on va rester là-dessus pour l'instant. Est-ce qu'on n'aura pas mieux? 194 là, hein. 194. Et je pense qu'effectivement, on n'aura pas mieux. Allez, on va booster. Pas terrible, hein, le montage. Pas terrible, pas terrible. Attends, est-ce que tu peux retirer celui-là? À la limite, tu mets le premier. Essayons de garder un maximum de points si possible. Là, tu mets améliorer la transition en 30. Heureusement qu'on peut booster comme ça le montage, moi je te le dis. Hein. Heureusement. Je regarde ce qui est le plus intéressant. Hein. Ah, mais ça coûte beaucoup. Hein. Ça coûte beaucoup. Tu mets les 3 points. Là, ça améliore très très peu l'édition. On va être vraiment pourri. Hein. 346. Bon. C'est vrai que c'est assez minime les améliorations qu'on peut apporter. Ah, 2,5. C'est un peu mieux. 412. Ah, il m'en reste que 3 en plus. C'est pas moyen d'augmenter un peu la note. Ouais, non, je pense qu'il n'y aura pas moyen de faire mieux que ça. Hein. Ah, 3 étoiles. Ok, bien. J'ai bien fait de fouiller un petit peu, de trifouiller. Très bien, je prends ça, genre irage. Et on balance la vidéo. C'est parti, on voit la sauce. Avec quelques petites tendances sympathiques. Et oui, plus de 200 000 likes. Énorme. C'est un beau résultat. Et ça fait 3 étoiles. Bon, on a eu mieux, hein. C'est vrai, on a eu mieux. Et je pense que il faut davantage tout de même privilégier le jeu en doré plutôt que deux tendances violettes, je pense. Hein. Après avoir effectivement la différence, est-ce qu'elle est énorme entre violette et doré? Alors oui, elle est énorme, mais avec deux violettes et un doré, il faudra faire le calcul, je suis pas sûr. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est il est 19h30, on va faire un petit live, on va manger. D'abord, premièrement, on va manger, tiens allez, un petit Gunbao, je vais avoir la bouche en feu. Manger, bon appétit mon Galax, mon BG. Par contre, faut être à fond hein, pour le stream, hein, il vaut mieux. Hein. Faut être à fond, donc je mange, comme ça au moins ça me libère un peu de place en plus dans mon sac. Et maintenant, 19h45, c'est un peu tôt peut-être. Hein. Ouais, c'est un peu tôt pour faire un stream. D'ailleurs, pour l'instant, regardez, Clara, elle est jamais là, elle bosse toute la journée. Hein. Elle fait de la gym toute la journée, c'est incroyable. Mais en théorie, je pense qu'on devrait la voir ce soir. Hein. Oh, il y a Clara derrière. Tu l'as vu passer? Énorme. Elle est rentrée à la maison. Eh oui, donc on est bien mariés, ça confirme. Hein. Parce que je commençais à en douter, je la voyais jamais à la maison. C'est une femme d'extérieur. Une femme occupée. Elle est tout le temps à la salle de gym. Alors pour info, je suis repassé au niveau des touches, là. Je suis repassé sur les flèches. Plutôt que sur le stick. Parce que c'était un peu imprécis au début du jeu. Alors c'était imprécis à l'inverse. Mais là maintenant, depuis que je suis repassé sur les flèches, ça va beaucoup mieux. Je fais plus aucune erreur, tu vois. Voilà, on a fait un stream parfait, sans erreur de touche. Et donc, on n'a pas trop perdu d'énergie. Ça fait plaisir, hein. Allez, on enregistre.
Par contre, il n'y avait pas d'autres... Ah, mais d'accord. En fait, j'ai fait un stream, mais la vidéo qui a retenu, du coup, les tendances... En fait, c'est que la première vidéo qu'on sort qui retient les tendances de la journée qu'on a pris en photo. Je viens de capter, les gars. Je viens de capter, je savais même pas. Donc allez, on va éditer la rediff. D'accord, ah ouais, donc il y aura moins de tendances. Ah, c'est pas ouf. Mais enfin, c'est pas grave. On fait avec, hein, de toute façon, il n'y a pas de choix. 300, c'est pas terrible les tendances, là. Ouais, on va essayer de changer pour voir si on peut avoir mieux. J'ai pas trop l'impression, hein. 320, là, tiens. J'ai bien fait d'essayer de changer un chouïa. 330. Celui-là, par contre, il est à 2 rouges. Ouais, mais je pense qu'on n'aura pas mieux quand même, hein, quoi qu'il arrive. Donc, 402. Allez, bim. On voit la sauce, on voit les effets. Les effets, ça peut changer une vidéo. On le voit bien avec les gros youtubeurs. Hein. D'une vidéo classique, ça donne un truc vraiment cool. 556, 590. Bon, on va mettre celui-là pour l'instant. Le petit 3, voilà. Essayez de faire les économies. J'ai dit essayer de faire les économies. Et là, tu refais un petit tour de piste. Voilà, tu reprends au début. 742. Bordel, énorme. Ça fera 4 étoiles. Hein. Tu te rends compte un peu? C'est incroyable. Oh là, 4 étoiles et demie. Mais oui, monsieur, 2h30. Hein. Par contre, faut se dépêcher. Et là, il me reste que 2 points. Donc, on pourra pas faire plus. Mais en tout cas, 4 et demi en édition, franchement, ça le fait de ouf. Hein. Allez, bim. Vidéo sur Stars Invaders. Péré avec son petit nez, là. Ah, par contre, on était à plus de 200 000 likes sur celle d'avant. Là, c'est les tendances hein, qui font la différence. Ouais. On avait que la tendance du jeu, du coup, c'est pas énorme. On a donc sorti, dans cette première journée, une vidéo classique qui a fait plus de 200 000 likes, donc c'est incroyable. Et une rediff de stream. Et t'as Clara qui dort, regardez, est-ce qu'on peut la réveiller? Clara? Non, bah écoutez, on dort gentiment à côté. Par contre, elle dort habillée. Bah comme moi, remarque, tu me diras. Allez, quelques vidéos. Et regardez, 1 million 6. 1 million 6 et plus. Alors, on risque pas de passer top 1 tout de suite, hein. Vous l'avez vu, on a 200 000 abonnés de différence avec Aaron. Hein. Il a 1 million 7 et des brouettes, donc bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, en faisant des vidéos, etc., on va le dépasser et on deviendra numéro 1. Dimanche 14. Alors, je déteste les dimanches dans le jeu. Hein. Ah, par contre, Star Invaders, il est en super tendance. Hein. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Eh bien, écoutez, on est parti. On va commencer cette seconde journée par capturer une petite photo avec Agoura. Voilà, comme ce qu'on a fait avant. Alors c'est vrai qu'ils auraient pu changer de personne quand même, hein, histoire de varier un petit peu, parce que là, on va exactement au même endroit, on capture la même photo. Allez hop, Agoura, reste dans mon champ, s'il te plaît. Voilà. Et une première tendance, une. Ensuite, on va aller au tournoi FK. Zut, c'est à 15h. Ah donc c'est pas encore. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Agoura, ouais, on peut éventuellement se faire un vlog. Ça pourrait être pas mal en vrai. Avec eux là. Allez, pourquoi pas. Une vidéo. C'est parti. Vlog, Agoura, c'est pas mal. Allez, j'enregistre. C'est pas souvent que j'ai fait des vlogs hein, dans le jeu. On met une cinématique, vous oubliez le script. Vous pensez que ceci est mieux hein. Ah mais ouais, c'est la fameuse photo où il regarde comme ça derrière, c'est énorme ça. C'est votre mauvaise blague. Ouais, si on a 4 étoiles déjà, on est content là. Hein. Ça en fait 4. Non, je pense 4. Dommage. On était pas loin des 5. Je pense qu'on va rentrer hein, pour sortir la vidéo. Alors, il n'y a pas de grosse tendance non plus. Mais voilà, autant sortir quelque chose plutôt que de ne rien faire. Hein. C'est un peu bête. Hein. J'ai pas envie de perdre mon temps, moi. Vidéo vers le camion trésor. Alors, ça fait plus de 100 000 likes. Ça va, franchement, ça va. Par contre, quelques pouces rouges. Mais bon résultat. Eh ouais. Très très bien. Bon, il faut sortir des vidéos, etc. Parce que sinon les abonnés seront pas contents, quoi. Il faut être quand même assez productif. Et c'est vrai qu'il y a des périodes, tu vois, comme actuellement sur la chaîne. On a eu une grosse période, la période de fin d'année. Là, maintenant, il y a beaucoup moins de jeux jusqu'à février, je dirais. Je parle de la vraie chaîne, hein, pas de celle-là, mais t'as compris. C'est une période maintenant qui sera plus calme pendant 1 à 2 mois. Alors, bien sûr, j'ai des idées de séries, hein, on va faire plein de choses ensemble. Mais... ce ne sera pas des jeux actuels vu qu'il n'y a rien de très intéressant qui va sortir dans les 1 ou 2 prochains mois. Mais ça peut faire bizarre parce que là, on avait une énorme période avant, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que j'aille voir Suzy à l'AFK. Qu'est-ce qui se passe? Coucou Suzy! Salut chérie! Êtes-vous ici pour me voir battre Aaron Black? Oui. Mais vous ne jouez même pas. Aaron semble embarrassé. Ouais, j'ai l'impression... qu'il n'a pas l'habitude de perdre.
Ce n'est pas la fin, Madame Suzy. Il est pas content. Ouais, il est en colère. Eh bien, on ne peut rien faire contre ça. Je ne peux pas consoler tous les joueurs qui perdent contre moi. Je passerai ma vie à le faire. Et donc elle triche, elle joue même pas. Ne mentez pas, vous trichez. Mais Aaron est l'un des meilleurs. Soyez honnête, Suzy. Pouah. Wep. Vous m'avez eu. Je ne veux plus mentir. C'était l'idée de Gigi Macarone. Ah, c'était donc ça! Elle a un gars qui pirate la partie pour me faire gagner à chaque fois. C'est pas bien. Vous êtes la pire. Cool, ça a l'air fun, t'as imagine tu réponds ça. Mais pourquoi faites-vous ça? On partage l'argent. Ah, l'argent. Toujours l'argent. Bien sûr, Gigi prend la plus grosse part. Évidemment, la Cruella. Et je ne le fais même pas pour l'argent. Eh ben alors? Mais parce que je veux être une joueuse. Même si tout n'est que mensonge. Bah tu fais comme moi, tu joues en ton coin, t'es pas obligé d'être une pro-gamer. Bref, ça devient gênant. À plus tard. Mais t'as plus l'âge pour être une pro maintenant. Mais t'as pas les réflexes, t'as pas les réactions, c'est pas possible. Attends, dans l'histoire j'ai l'impression... Mais non, mais dans l'histoire on n'a pas la photo. Oh, c'est pas vrai. Abusé. Ah bah du coup on aura que Agora. Ah, je suis un peu déçu là, tu vois. Le meilleur quartier, évidemment, le quartier détente. Oh, Doc, mais qu'est-ce que vous faites ici? Bon, maintenant, j'ai plus besoin de lui parler à lui, hein. C'est bon, j'ai eu accès à son laboratoire. C'est comme Edgar, maintenant, j'ai laissé tomber comme des vieilles chaussettes. J'ai accès à son sous-sol, lui à son laboratoire. Plus besoin. Hé, hey, chez mon péché, femme. Femme au fourneau. Vous l'avez compris, je rigole. Donc, 19h. C'est pas un peu tôt? On a bien fait le rendu de la vidéo. Ouais, c'est bon, hein. Qu'est-ce qu'elle foutait sur mon PC? Je vais l'en acheter un pour elle, je pense. Parce que mon PC, c'est mon PC, on touche pas. Hein. juste étendant ça. Star Invaders, bah ouais, là, par contre, y a pas d'autre choix, quoi. Heureusement qu'on a amélioré notre PC, hein. C'est vrai que ça change les rendus, ça change après la vie des abonnés, le nombre de vues, l'argent, donc on gagne, etc. Très très bien, grosse réussite, hein. Jeu en tendance, et par contre, maintenant, il faut qu'on aille se coucher. Allez avec Clara. Au dodo! J'espère que les prochaines journées seront intéressantes, qu'on aura des histoires, etc. Ça nous met donc... Attention, roulement de tambour! Ah bah attends, on fait 1 million par vidéo, quoi, c'est incroyable. Ouais, on sera rapidement à 1,7 million, je pense, hein. On va rapidement dépasser Aaron. Mais lui aussi, remarque, doit monter en abonnés chaque jour, je pense, hein. Lundi 15, début de semaine. C'est bien pour en faire plein de choses. Clara Soft, ok. Oh là là! Incroyable, 272 000 likes. 3,5. Ouais, parce que grosse édition, géant tendance rouge, forcément, hein. Et on est à plus d'1,7 million abonnés, effectivement. Je pense qu'on n'est pas loin de rattraper Aaron. De voir, il est combien, lui? Bah, il est à combien, du moins, actuellement? 1,774,000. Ouais, on va le bouffer, hein. On va le bouffer, mesdames, messieurs. Eh bien, écoutez, je pense que je vais passer premier youtubeur, hein. Là, j'ai fait plein de vidéos, plein de streams. Alors, c'est pas des grosses tendances rouges, hein. Mais regarde, maintenant, on arrive à faire des 2 millions, 3 millions de vues. Ça commence à devenir le standard. Donc, franchement, non, c'est assez impressionnant, hein. Allez, 1,8 million, top 1, les gars. Eh ouais, top 1, ça y est. Énorme. Par contre, la valeur de la maison, faudrait l'augmenter. Mais bon, pour ça, il me faut mettre de la déco. Il me faut bosser un petit peu là-dessus, hein. Et j'ai dit qu'on ferait ça à la fin. Alors, jeudi 18, Urban Fighter. Ouais, pas de grosses tendances, encore une fois, aujourd'hui. Et pas d'histoire, il me semble, à capturer. Ça va être long, ça, hein. Petit résumé quotidien et regardez, on a atteint les 4 millions de vues sur une vidéo pour la première fois. Ça monte tellement vite, on est quasiment à 2 millions. Hein. Est-ce qu'on a un trophée à 2 millions? Non, je crois que c'est à 5 millions d'abonnés, si je dis pas de conneries. Hein. Vendredi 19, bientôt la fin de semaine. Hein. Alors, tendance, c'est nul à chier. C'est la fin d'une grosse journée, on a fait pas mal de vidéos rediff de stream. 3 millions, 3 millions, 4 millions même. Ça va. Et plus de 2 millions d'abonnés surtout. Eh ouais, ça y est. Et maintenant, bah, road to 5 millions, hein, ça va être long par contre. Hein. Quoique, ça va de plus en plus vite après, je pense. Hein. Dimanche 21. Oh, les dimanches, je déteste. Lundi 22. En général, le 22, ça me porte pas chance. Encore une fois. Bonus de la série. Attends, il y a un truc violet là. Je pense pas que c'est une histoire, mais on va voir. Normalement, je pense que pour qu'une histoire soit validée, ça doit être du doré, hein, à mon avis. Hein. Ah, le hashtag, voilà. Bonus de la série. Go, photo. Est-ce que ça compte comme une histoire? Ça m'étonnerait, ce serait énorme, hein, mais ça m'étonnerait. Ok, bon, ça fait un peu de like, comme ça au moins c'est bien. 2 sur 5, mais si! Ah d'accord, c'est pas que les dorés! Oh, je suis méga content! Ah bah, c'est rapide que ce que je pensais alors. Hein.
D'accord, d'accord, j'ai bien fait, hein, parce que j'ai failli passer à côté, les amis. Je me suis dit, ouais, Zobby, allez, je vais faire des vidéos. J'ai trop bien fait, ça fait 2 sur 5. Oh lolo, 343 000. Énorme. Eh ben, j'ai bien fait, hein. Ouais, ça me fait tendance violette en plus, hein, bonus de la série, hein. Trop, trop bien. Ça me fait gagner une histoire et une tendance. Allez, on peut aller se coucher. Quasiment 5 millions de pièces. Je fais pas des grosses journées, hein. Je fais une vidéo et puis hop, Oli. De toute façon, je reste largement au-dessus en termes d'abonnés. Hein. Alors, Babamay, la petite photo. Bim. Tin, 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 tin. J'adore cet endroit. Est-ce que ça fait une histoire? Ce serait énorme. Eh non, 2 sur 5. Pas toujours, hein. Donc je pense vraiment que c'est des persos qu'on ne connaît pas. Pas les persos, tu vois, avec qui on peut discuter, on peut nouer des liens, etc. depuis le début. Et c'est vert, donc effectivement, il y avait peu de chance. Donc violet et doré, ça passe. Mercredi 24. Alors, les tendances. Oh là là, triple tendance, mais non! C'est Noël! C'est le cas de le dire. Panda Dynasty, Noël, est disparu. En plus, on a une histoire. Oh, quelle journée de dingue! Et il y a deux clés USB. Incroyable. Incroyable. Alors attention, c'est la plus grosse journée depuis le début. Hein. Tout de suite, je rentre le CPU dans le PC, c'est vraiment la course. On se dépêche, 8h tapante, je sors de la maison et on a énormément de tendances à choper. Par contre, ne pas trop être gourmand, hein. C'est important. Ne pas faire 50 vidéos, vaut mieux en faire une, tu vois, qui est incroyable. Et taper, pourquoi pas, le million de likes, ce serait fou. Alors, disparu, on va le chercher. Noël, jour férié, on a également le sapin, la photo, le jeu à aller acheter. Donc un player one, célèbre youtubeur, ça, je ne sais pas si on réussira à le trouver, on verra. Mais je vais faire un tour sur InstaLife, est-ce qu'on peut avoir quelques infos? Donc le jeu, je sais où l'acheter. Ok, escadron, la clé USB, bon je m'en fiche un peu, sapin de Noël. Êtes-vous en train de dire que notre cher hôtel de ville pose un cadeau pour chacun de ses citoyens à côté du sapin de Noël? Oh, on va aller voir ça. J'adore Noël, c'est une période très spéciale, je ne manque jamais l'allumage du sapin sur la place de la hôtel de ville. Ok, alors est-ce qu'il faut y aller en soirée? Je ne sais pas. Tout le monde pense qu'un célèbre youtubeur se promène déguisé en ville. Et disparu, vous n'allez pas le croire, j'ai pris une photo avec disparu près du quartier port. Ok, en plus il est dans mon quartier. Ah bah génial, on va commencer vraiment par ça alors. En théorie, disparu c'est une histoire en plus hein, pour Ziggy. Hein. Ça c'est vachement cool. Alors attends, j'allais faire un tour, le tour du quartier. Si on peut trouver ce petit hashtag. Oh, let's go. Let's go. Je l'ai, oui. Je l'ai eu. Il était dans ce troupeau. Ah, trop content. Donc j'ai le hashtag, ça a été rapide. Et donc 3 sur 5 au niveau des histoires. Génial, génial, génial. Tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on va quartier résidentiel. Non, j'aurais dû d'abord aller acheter le jeu parce que s'il faut y aller en soirée au sapin, bon, on verra. On verra, on verra. Tiens, j'en profite pour récupérer à manger, les amis. Vous allez me dire, non, mais t'as pas le temps. Mais si, c'est important parce qu'après, si j'ai pas le temps de faire des vidéos et des streams en soirée, c'est un peu embêtant, quoi. Donc bim, on va récupérer à manger parce que j'ai plus grand chose. Prends des spaghettis. Voilà, c'est pas mal. Par contre, est-ce que j'aime pas de bourriner mon sac? Il me reste 3 slots si jamais, ok. Voilà, faut pas tout bourriner non plus parce qu'après, si t'as plus de place, parfois, c'est très embêtant. Allez, j'ai récupéré à manger. On va se dépêcher. Vite, vite, vite. D'aller au sapin qui normalement est ici. Voilà, très bien. Ah oui, un cadeau. Allez, bim, tendance. Schlack. Ok, je l'ai, je publie. Et donc ça me fait une dorée, une rouge en plus. Oh là là. Apparemment on peut diffuser. Commencer le streaming. Oh, avec les tendances en plus, ça va être énorme. Allez, c'est parti. Cherche pas à comprendre. Hein. Ne perds pas de temps, 10h15, je vais ouvrir mon cadeau. C'est ça en plus. Hein. Vous êtes en direct. Let's go. Par contre, c'est pas la meilleure heure effectivement pour enregistrer. Mais enfin, je pense que voilà, il faut être productif. Faut faire les choses vraiment très rapidement. Si je peux sortir et cette vidéo et un stream éventuellement le soir, une vidéo et tout, je le fais. Ok? Ce serait l'idéal parce que avec le jeu, ça fera triple tendance rouge. Là, on a que deux. Alors, certes, on a un doré aussi, mais triple rouge, c'est du jamais vu, quoi. Vraiment. Donc, faut vite penser à faire. Je pense qu'on fera un stream en soirée plutôt, non? Ouais. Ah, il n'y a que 3 rushs? Ça, par contre, c'était rapide, hein. Oh, débloquer des badges en direct! Trop cool. Et j'ai reçu un sapin. Énorme, j'ai reçu un petit sapinou. Ok. C'est mignon. Ok, ok. Allez, je vais repartir par là-bas. On va repartir. Bon, le célèbre youtubeur, je vais oublier parce que là, vraiment, faut aller vite, les amis. Il est déjà 12h30. Faut aller très, très vite pour sortir les vidéos, pour les optimiser. Maintenant, on met beaucoup plus de temps. Hein. Vous le savez, on met vraiment longtemps pour opti les vidéos avec les effets, la post-prod, etc.
Donc là, je rentre vite à la maison, on a fait tout ce qu'il fallait. Non, t'es pas allé chercher le jeu ? Attends, est-ce que je l'ai le jeu ? Ah, j'ai pas de jeu, suis-je bête ? J'ai oublié. Bon, ça va, de toute façon, j'ai pas perdu trop de temps, on passe vite à Player One. J'ai oublié un détail important, hein. J'ai oublié une tendance rouge. Allez, vite. Vite, 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 ça fera la troisième. Attends, mais en théorie... Ah ouais, 3 sur 5, du coup, ouais, ouais, effectivement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a confirmé bien cet objectif. Panda Dynastie, voilà, j'achète. Putain, c'est dingue, je dois penser à tellement de choses que je m'embrouille dans ma tête, tu vois. C'est terrible. Ouais, 3 sur 5, mine de rien, ça progresse vachement, les histoires. C'est moins chiant que ce que j'aurais pensé, tu vois. C'est moins chiant, on les a plus facilement. Parce que c'est pas que des histoires rouges et dorées, tu vois, c'est aussi de violet, donc... Bon, finalement, ça va. Ça va, c'est assez rapide. En tout cas, c'est plus rapide que parler 50 fois à Edgar pour débloquer le sous-sol. Hein. Ça, c'était chiant, ouais, je confirme. Oh là là, ça va faire triple rouge. Incroyable. Incroyable, vraiment. Donc. Attends, j'ai le jeu, on est OK. Il est où ? Il est là. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Bim. Tu vas tourner une vidéo directe. Panda Dynastie. Ou alors, est-ce qu'on attend de faire le stream ce soir ? Non, moi, je dis plutôt un stream en soirée. Ouais, on va essayer de ne pas se précipiter. On fait le montage de celui-là. Il n'y a que 3 rushs, ça va aller vite. En plus, ouais, il n'y a pas trop de choix de l'ordre, du coup. Faut faire quelques modifications. Ah, ça va, on avait déjà une bonne édition de base. 206. Ah, bah là, on est large pour les 5 étoiles. Regardez, oh là là. Les 5 étoiles, ça rentre tout seul, là. On y est déjà, regarde. Voilà, on peut rajouter les effets, mais ça sert à rien, je pense. Bon, on rajoute, hein. Mais est-ce que ça sert à quelque chose, tu vois, là, de rajouter les effets? Je suis pas sûr, hein. Franchement, je pense pas, hein. Allez, on publie. Vous pouvez utiliser pour acheter les effets avec clip à gagner un plus d'étoiles. Non, mais ça monte plus. Là, je suis au grand max. La vignette. Celle-là? De toute façon, peu importe, hein. Je pense que ça change pas grand-chose. Oh non, j'ai le PC qui fume! C'est pas vrai. Oh là là, le buzz! 732 000 likes! C'est du jamais vu! Oh oh oh! Score final 5 étoiles. Ah, mais par contre, le bas qui blesse, c'est que mon PC, il est. À la carte graphique, très bien. Je vais me dépêcher d'aller en acheter une. Hein. Je vais me dépêcher. Donc, c'est bon, on a restauré. J'ai vu là. On a restauré le système de gestion des tendances. Ça y est. Regardez. Waouh, waouh, waouh. Eh oui, avec deux sujets tendances, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et là, 3 sur 5. Oh, mais ça progresse trop bien. À la prochaine vidéo sera la dernière, je pense. Hein. En théorie. En théorie, la dernière. La prochaine sera la dernière. Je mélange tout, ça y est. Il y a tellement de choses à penser que mon cerveau est embrouillé. Allez. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Attendez, qu'est-ce que je dois faire? Oui, lead point. Je suis pété. C'est incroyable. Lead point, carte graphique. Ok, pour pouvoir, après le stream ce soir, faire un montage de qualité. Alors, tiens, j'en profitais peut-être pour reprendre de la RAM supplémentaire. Attends, d'abord la carte graphique. Je sais pas si j'ai assez de slots. C'est pour ça que je fais gaffe. Ok, carte graphique, 108 000 crédits, c'est vrai. Bon, j'ai 5 millions maintenant, c'est bon, hein, on compte même plus, hein. Disque dur, 105 000. Est-ce que je peux prendre éventuellement un CPU en plus? Non, j'avais déjà. La RAM, si besoin. J'ai plus de place. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Quoique, attends. Je vais manger. Je mange et je me rachète une RAM en plus, si jamais ça pète. Pour les prochains jours, hein. Voilà, comme ça, moi, ça me sera utile. Donc, allez, let's go. Panda Dynastie. Je sais pas combien de temps ça dure. Peut-être 3 heures, un truc comme ça, hein. Ouais, je pense que ça va durer 3 heures. Allez, go. Alors là, par contre, c'est mortel, hein. 3 tendances rouges. Je préfère le commencer maintenant, pas trop attendre, parce qu'après, il faut le temps de faire, tu vois, le montage et tout. C'est compliqué. Allez, let's go. Voilà, cette fois-ci, s'il faut pas louper un stream, c'est celui-là. Il faut avoir de l'engagement, il faut discuter avec la commu, il faut demander les dons et tout ça. Comme un vrai streamer. Non, les dons, à la limite, là, je m'en fous. Ah, ce que je veux, c'est que ça fasse beaucoup de vues derrière, moi. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un bon score, tout de même. Troisième au classement. Let's go. 23h, moi, ça va finalement. 23h, non, c'est good, hein. Allez, j'ai perdu très peu d'énergie. Tout de suite, 5-5. Enregistrement 5, tendance 5. C'est monstrueux, hein. Par contre, comment ça se fait qu'on n'ait pas la tendance dorée? Sapin de Noël. Ah, on n'a pas la tendance? C'est bizarre. Ah, c'est méga bizarre. Bon, tant pis. Allez, go. Donc, ça fera potentiellement moins que... Attends, disparu. Et l'autre? Ah, mais peut-être que Noël, c'était que pour la première, du coup. Ah, je pense, ouais.
Bon, ça reste bien, hein, mais donc du coup, pas triple tendance, ça fera double. Ok. Putain, ça s'enchaîne bien, là, en plus. Attends. Ok, putain, on est quasiment tout vert. Incroyable. Allez, grosse édition, là, en théorie. Voilà, on enchaîne. 550, ça va faire un gros score, ça, encore. 620, génial. 680. 728. On n'est pas à fond encore. 818. Voilà, 5 étoiles. Tu vois, hein? Tu vois quand tu veux. Nickel. Allez, on publie. Génial. Les flammes, évidemment, les flammes. Donc, ouais, il n'y a pas les tendances dorées, là. Il y a les deux rouges. Mais pas les autres. Oh! 1 million! Oui, monsieur! 1 million de likes. La vidéo parfaite. Et bah si, ça pas de Noël, il y est. C'est juste qu'on ne le voyait pas. Noël aussi. Triple tendance rouge, une dorée, une bleue. 5 étoiles en record, 5 étoiles en édition, 5 étoiles en tendance. On a tout cassé, c'est fini. On a tout pété. Incroyable. Incroyable. Restaurer le système de gestion des tendances 2 sur 1. Ah, c'est monstrueux ce qu'on a fait. C'est monstrueux, les amis. La plus grosse vidéo, 1 million de likes. Sans déconner. Waouh. Bah écoutez, je pense qu'on peut aller se coucher, hein. Alors, je pourrais refaire une autre vidéo, mais là, je suis pas sûr que, du coup, demain, ce soit vraiment, vraiment incroyable. Ouais, ce sera pas incroyable, parce que, du coup, de toute façon, c'est trop tard pour faire un stream. Et les tendances seront plus là, quoi. Ok, au dodo. Quelle journée! Quelle journée de Noël incroyable! Oh, 7 millions, 8 millions de vues! Mon Dieu! Mon Dieu! 8 millions de vues! Ah, je m'attendais à 10 millions, sincèrement. Mais 8 millions, c'est bien. Joli 25. On a tout pété. Non, vraiment, on a tout pété. Et alors là, Nintendo Wii U. Ah ouais, trop bien, trop bien. Elle arrive. Ok, ok. Et toujours Panda Dynasty qui est en doré. Hein, mais du coup, on s'en fout vu qu'il y a l'arrivée de la console. Ah, mais c'est une console, c'est pas un jeu, hein, c'est pas pareil. Ok, donc écoutez, on a terminé. Le défi, regardez, de notre très cher Aaron. Ça, c'est fait. Je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. Pour Ziggy, on a 3 sur 5. Donc sincèrement, là on est, je pense, pas loin de la fin des objectifs concernant les codes NT. Et je pense que c'est la mission principale du jeu et quand on la termine après, on a quasiment fini. Donc à mon avis, le prochain épisode sera le dernier. Je pense, hein. On verra, mais je pense. Donc il nous reste 2 histoires à choper, ça va aller assez vite après, hein. Là, ça a vraiment avancé. On se retrouve très bientôt, les amis, pour la suite de YouTubers Live 2. C'était le jour de Noël, ça m'a surpris, je m'attendais pas d'ailleurs. Pourtant, c'est logique, hein. On est en décembre, voilà, ça allait forcément arriver. Merci encore, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça vous a plu. On a vécu une journée incroyable aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite. À très bientôt, ciao ciao.